Alors, on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois. Juste. Ok. Ouais. Alors, on avait fini la mission la dernière fois, la mission secondaire, donc on va continuer. J'ai loupé des trucs apparemment. Feu de camp. Défi. On peut peut-être aller là, dans le. Je sais pas ce que c'est ça, un complexe sûrement. On va aller voir si on peut pas récupérer des. J'en sais rien, des reliques. Il y a plein de bordel, ça c'est bien. Ouais, par là, ok, ça marche. S'ils nous donnent autant de munitions, c'est que il y a sûrement des mecs. Tu veux pas? Merci. J'espère que le son est bon, normalement oui. Soldats soviétiques. Il y a eu un massacre ici, on dirait. Sympathique. Je ne suis pas assez doué en russe pour déchiffrer tout ça. Oh. Mais on dirait une sorte de carte. Encore de la propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. T'as l'air d'être bonne en russe au final. Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité. Bon bah voilà. C'était pas très difficile. Allez, fais ton feu, merci. C'est sûrement Staline, ça. Ah non, il nous faut l'arc à poulie. Pas moyen de l'actionner. Tu vas me dire qu'on peut rien faire du tout ici? Bon, on se casse. Bon, on reviendra. Que je chasse des animaux. Mais bon. On va simplement continuer. On va avancer dans l'histoire.
qu'on peut faire quelque chose? Non. Que dalle. Allez. Quelque chose en bas. Ah, il y a des champignons. Non, rien d'autre. Peut-être à flèche crantée sont requises. Pour faire quoi? Faire quoi exactement? Je sais pas. Bizarre. C'est quand même super beau. Là, je suis assez impressionné, perso. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Quelqu'un a gratté quelque chose en dessous. Des indications vers une chose cachée. On a plein de trucs à récupérer, mais je pense qu'on reviendra de toute façon. Vu qu'il nous faut plus de matériel à chaque fois. Oh. Un vieux camp de travail soviétique. Les Trinitaires en ont pris le contrôle. Ah, ok. Putain, que... Voilà. Oh la vache! Pourquoi elle avait l'arme équipée? Quelle merde, j'ai étranglé le mec avec l'arc et j'avais déjà tiré avec l'arc juste avant, enfin j'avais de l'arc équipé 100% sûr et quand j'ai visé elle a sorti le flingue. Bon, enfin, pas grave. Pas grave du tout. Je vais augmenter l'arme, mais c'est pas grave. Ça peut attendre. Cabane à provision. Utiliser pièces byzantiques.
Approchez les objets techniciens de l'ordre Trinité. Approchez-vous les objets, maintenant explorer, les acheter. D'accord. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble. Je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Sympa! C'est quoi ça? Fusil à vision laser. Tenue commando. Permet un passage plus rapide sur les cordes. Ah, ça c'est bien ça. Prendre ça. Ça faisait un moment que j'en cherchais un. Je pensais vraiment pas tomber sur un marchand en fait ici. C'est pas une... Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir un marchand. Enfin tant mieux quoi, c'est cool. Où est-ce qu'on va? Là-bas. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais... on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors... Ah merde. Oups. Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. Tout est de ma faute. Mais... qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara, je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans. Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles. Elle ment. C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Comme ça, elle ne sait rien. Tellement prévisible. Quoi? Toi? Non. Tu es avec eux? Comment c'est possible? Espèce de... Ah!
Je ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va-te-faire-maître ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. Oh. Ow. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Faut qu'elle se transforme en monstre, elle. Ça irait bien, comme tous les anciens Tomb Raider. Elle ressemble à celle du 2, là. Celle qui nous embauche dans le 2. C'est pas terminé. Enfoiré. Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Oui, ben laisse... Voilà, laisse-moi travailler un peu. Ah, voilà. Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Allez, à plus, mec. Ne reste pas. Ah ouais. Oh ! Vous voyez une sortie ? Non, mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Arc courbé. Pourquoi c'est toujours des arcs qu'elle trouve ? Pas trouver autre chose. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ça a marché. Vous pouvez sortir ? Évidemment. Ah, c'était, elle a pas besoin de la poulie en fait. Ah, peut-être c'est plus tard, non ? Attendez. Faites genre pour les objets plus lourds. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferai confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis.
C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Non. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ah oui, ça fait pas... Ça fait pas vilain du tout en fait, c'est bien. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie ? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. Attends. Maintenez RT. Chaque fois je me loupe entre RT et le reste. L'invasion de... Un étui à cigarette en argent. Ah, c'est joli ça. On dirait qu'il a fait la guerre. Ah, je crois qu'il est mort. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. J'ai enfin des... Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici. Travailler dans les mines. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont déterré ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Ils creusaient partout où ils éclairaient l'odeur de la richesse. C'était un camp de travail. On a eu le pistolet. Là-bas. Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste de commandement 2, dernier hélicoptère en partance. J'ai reçu. La dernière cargaison. On signale des problèmes au centre de transmission. Coordinatif. Négatif. On a chopé un... Elle a pas froid du coup là. Même s'il neige plus, il doit faire froid. Attendez là. Je vais m'occuper de ça. Attends, deux secondes. J'y suis presque. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Il y a un sniper en haut, fait chier. Faut qu'on se fasse le sniper en premier. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Si j'avais su, je... Voilà. Ça devrait le faire. Ça m'étonne que ces trucs marchent encore. On dirait que ça a été saboté.
Sûrement un coup des natifs. Raison de plus pour pas les louper. Il y en a plein en bas. Il y en a trop même en bas. Le problème, c'est qu'il est à la vue, lui. Une minute, je vais voir ce que c'est. Reçu. Il se passe quelque chose. Non, si j'y vais, ils vont me voir. Comment je pourrais détourner leur attention? Ça venait par là. Fausse alerte. Entendu. Attention à toi. Il y a juste un cadavre là-bas. J'ai entendu quelque chose. Juste ici. Je te couvre. Ah merde. Oh non, non, non. Je regardais à chaque fois derrière, mais apparemment il y en a un qui a foncé, putain. Ah. Bah du coup, ça t'as à me refaire l'infiltration. J'espère qu'on n'a pas la discussion avec Jacob. Oh, la vache, putain, comme on est loin. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi, si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets, mais s'ils le découvrent ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préfère. C'est pas une bonne. Oui, oui, oui. Alors, marche bien. Je vais voir ce que je peux trouver. En tout cas, c'est juste des cinématiques, quoi. J'aurais dû mettre une sauvegarde après la discussion. En fait, une fois qu'on ait fait le tour avec Jacob, quand on est en hauteur. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte ancienne. Vu qu'il se passe rien, on peut pas mourir en fait dans cette section. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça ? Donc ça sert à rien de la refaire. Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Allez.
doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ah, faire des flèches, non? Non, c'est bon. Ça a marché. Vous pouvez sortir? Oui. Attendez. Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie? L'invasion. Oui. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. C'est bon. Un étui à cigarette en... On a un gros silencieux sur le... Sur le Uzi. C'est énorme. Depuis quand vous étiez enfermé? Depuis assez longtemps pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est? Une leçon d'histoire. Cet endroit est long. J'ai un remarqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici. Pour travailler dans les mines. Ça, c'est Yo, très ancien. Goldo. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Vous me leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Je viens de mourir. Je suis dégoûté. Notre meilleure chance de nous échapper est de nous rendre à la vieille garde. Et une fois là-bas? Mon village se trouve dans la vallée. Allez. De l'autre côté de la montagne. Allez. On y sera en sécurité. Voilà. La dernière cargaison. Signale des problèmes au centre de transmission. Encore des natifs? Négatif. On a chopé. Je te déteste. Attends, deux secondes, j'y suis presque. Alors, on recommence. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Si j'avais su, j'aurais amené de... J'ai remis des fusibles, ça devrait le faire. Ça m'étonne que ces trucs marchent encore. On dirait que ça a été saboté. Sûrement un coup des natifs. Raison de plus pour pas les louper. Ça c'est bon. On va faire une autre approche. Il y a la sentinelle au-dessus. On peut faire quelque chose avec ça? On va attendre qu'il fasse le tour, on va pas partir. Enfin, on va faire le tour, on va l'attaquer. Voilà. On peut monter. Qui est là? Merde. Personne. La tempête se rapproche. Il va falloir immobiliser les hélicoptères. Il y a encore beaucoup de terrain à couvrir. Il va falloir envoyer plus d'hommes dans la neige. Constantin veut qu'on surveille de près la mine de cuivre. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Dans les archives de la maison, ils ont trouvé des... Est-ce que les soviétiques faut s'alerter qui étaient cachés là? Il y
Bien reçu. Au début, non. Et il faut croire qu'ils ont fini par le détruire. Tous ces trucs sont là depuis des décennies. Je dirais qu'ils n'ont même pas fait le ménage comme ça. Ok. Justement ce qui m'inquiète. Ils sont peut-être pas partis. Tu crois qu'il y a encore combien de natifs dans le coin? Sûrement plus beaucoup. Ils viennent de quelque part de l'autre côté de la montagne. Oh, t'es proche, toi. Quand la tempête se sera calmée, on enverra des âmes sur tous les deux. C'est vrai? C'est bête qu'on puisse pas les faire venir. Leur faire du bruit dans les buissons. Non, rien. Pourtant, ils sont pas les mêmes. À moins qu'il y ait un moyen, mais je le sais pas. C'est bizarre, il est rouge. Quelqu'un le voit. Mais qui? Lui aussi il est rouge. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Bien sûr. Je pense que la vue elle merde un peu des fois, parce que c'est pas logique, il y avait personne qui le voyait. Ah non mais approche-toi, c'était là le bruit. Approche. Tout va bien. Oh putain. Voici. Ah, y'a un mec juste là. Pêche Lara. Oh la vache. Moi, il y a personne qui le voit, lui. On va voir, on va tester. Mais pour moi, il y a personne qui le voit. Personne le voit là. Même eux, celui-là qui est debout, ça m'étonnerait. Ah. C'est bien ce que je pensais. Anna. J'avais oublié lui par contre. Voilà. Je tuais tout le monde autour, mais il y avait le mec en haut. Jacob, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour, je suis déjà là. Tirez sur tous les ordinateurs rouges. Ah. C'est pour ça qu'ils sont allumés en fait. Non.
tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que je voulais faire. Pas grave. Tout le monde est mort. Les patrouilles sont en route vers les sites de fouilles les plus importants. Là. Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Fais gaffe, Lara. Je veux aller examiner ces ruines par moi-même. Et pour Croft ? Pour l'instant, on la laisse en vie. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin, ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi ? Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire, ce que j'ai sacrifié, ce que je traverse. Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine, avec la source divine. Tu seras sauvé. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai. Ah ah. Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher. Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Resteur de vue des Trinitaires. Du calme. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici.